Michael, tu peux venir éplucher les patates, s'il te plaît? Non, je suis occupé là, Kelly. Ok, c'est pas grave, je vais le faire alors. Je vais pas te déranger. Ça va? On profite bien? Allez, regarde dans ton dossier. Ça va pas du tout là, mon garçon. Faut se saisir. Sur les dernières 72 heures, tu n'as passé que 3 heures à effectuer des tâches ménagères contre 12 heures pour ta femme. Je trouve ça normal. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes trompé de personne. C'est... Là! Oh non! Tu fais donc partie des mecs qui sifflent les filles dans la rue? Décevant. Mais comment? Je peux continuer, hein? Ah, c'est une salope à sortir sans soutif. Mais mets du maquillage, on croit que je serai avec un mec. Tu comptes sortir avec ce jogging? Ça fait pas trop meuf. Ta femme n'a pas le droit de s'habiller comme toi. Oh, il y a un tome 2. J'arrive et le repas n'est même pas prêt. Non mais toi tu bois pas d'alcool, hein, sinon tu vas draguer d'autres mecs. L'aspirateur c'est pas pour les hommes, hein. Et le fer à repasser c'est pareil. Stop! Toi derrière ton écran. Oui, toi. C'est à toi de faire bouger les choses. Change ton comportement et tous les hommes te suivront. Le monde doit évoluer et tu en es l'acteur principal. Chaque personne compte pour lutter contre ces inégalités. Alors lève-toi et fais ce que t'as à faire.